Et c'est maman. Magic pad. Ça veut dire c'est ce qu'ils appellent une tablette magique. Oui, ça. Maman aussi. Ouais, ça permet de faire des dessins et que ça soit lumineux. Et en plus, comme il y a des ventouses. Hop. Voilà. On peut même mettre une... Ah, je crois qu'on voit pas. Alors, soit on fait des dessins libres, soit on... Alors, ça, c'est le noir. Il y a là une fente qui permet d'introduire un fond noir si on veut que ça soit plus lumineux. Et soit on fait des dessins libres, soit on introduit des fiches. Alors, comme fiche, il y a celle-ci qu'a choisi Elliot. Ma licorne. Licorne. Les fiches, elles sont à double... C'est sirène. Je ferai la sirène, d'accord. Il y a des jeux aussi. Le labyrinthe. Des morpions. Non, point. Un point. Ah oui, des points. Ça, c'est, ça ressemble au géopade. D'autres jeux, Guess the Word, alors tout est en anglais par contre, donc faut que tu devines le mot drum. Pour le tambour, trace Seque. Les formes, cercle, ovale, cœur, étoile. On apprend aussi à tracer les... Les lettres. Les lettres et les chiffres. Et puis, ça c'est pas mal aussi. T'as vu, Elliot? Ouais. C'est pour s'entraîner à faire les additions et les soustractions. Ouais. Donc, comme ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fiches. Puis, bien sûr, on peut créer les nôtres, évidemment. Où sont les crayons? Là. Voilà. Et avec le jeu, il y a donc 3 crayons avec double embout, donc ça fait 6 couleurs. Et là ? Ah. Là, ça. Voilà, on peut mettre en position chevalet. C'est embêtant? Elle est plus dans le bon sens? Non. Ouais. Ça. Laisse donc comme ça. Hop. Nani. Hop. Vert. What? Vert, bleu. Ah oui, si tu mets une lumière jaune sous bleu, forcément, ça fusionne les couleurs et ça fait du vert. Le chiffon. Un chiffon en microfibre pour essuyer. Oui. Ouais. Ça essuie pas, ah si ça y est. Alors, on va peut-être montrer aussi ce que ça donne. On va faire un petit peu le dessin et on va montrer ce que ça donne quand on enlève. Non, mais j'ai pas moi. Ça. C'est que toi. Les doigts fait sirène, maman. Ah oui, bon, bah j'attends mon tour. Ouais. Donc, quand Elliot appuie sur le bouton, ça lui permet de changer de couleur. Tout à l'heure, il était sur du jaune. Là, il a mis du rose en dessous. Et il y a 7 couleurs, il me semble. Non, 8 couleurs. 8 effets lumineux.
bleu, jaune, vert, un autre vert, un indigo, rose. Alors, vas-y, montre. Montre ce que ça donne comme ça, avec le fond. Et si tu enlèves le fond maintenant? Un fond? Enlève le fond blanc, là. Fond bleu. Ton modèle. Voilà ce que ça donne. Bon, tout est rose. Et là, t'adores le rose, donc on voit pas trop les différences entre la crinière et ça. Moi, préférer rose. Préférer rose. Et si on met le fond noir, qu'est-ce que ça donne? Fond noir? Oui. On nous a dit... À ta face, maman. Non! Non, non, c'est pour voir. C'est parce que c'est marqué sur la notice que si on met un fond noir, ça se voit encore mieux le dessin. En fait, ça reflète. On voit pas trop, en fait, sur le téléphone, hein, sur l'écran. Attends. Voilà, si on met de la lumière. Laisse ça. Attends, maman. Attends, ouais, on va faire un petit jeu. Monsieur. Ensuite. Il faut certainement ennuyer un peu, en fait. J'ai quoi? Du coup, lui, à vite. Allons-toi. Non. Tu tiens? Tu tiens, hein? Mais tiens. Toi. En fait, on dirait presque un petit chat. Un chat? Ouais. Voilà, donc Elliot m'a imposé de faire la sirène. Comme ça. Mais sans le modèle. Donc j'ai fait ce que j'ai voulu. Hein. Je suis pas très douée en dessin. Bon, ça ressemble à une sirène un peu balèze en fait. Comment? Attends, est-ce qu'il y a la lumière là? Regardez ça. Il est où? Là. Là. Lumière, où es-tu? Ça marche plus? Tu préfères comment? Comme ça ou comme ça? Comme ça? Non. Moi? Comme ça. Comme ça. Comme ça, maman. Je crois que je me suis trompée de sens. Hein. Ah, ça tient. Ouais. Attends, on voit pas. Faut que je montre. Voilà, donc il y a des ventouses, et moi comme j'ai dessiné en fait à l'envers par rapport aux ventouses, ça fait un sort de petit tableau. C'est rigolo. On dirait un monstre. Oh, princesse, maman. Ah zut. Voilà, vas-y, mets les lumières pour voir. Là c'est pas mal. C'est quoi le rouge? Vert, c'est un gros monstre. Bleu, ça change pas grand chose. jaune, ça fait un peu peur aussi. Non, c'est une erreur. Change. Change. Ouais, là, ça va, cette couleur-là, c'est bon. Celle-ci aussi, ça peut aller. Ma préférée, quand même, pour la sirène, c'est la couleur rose. Oh, oh. Ah, mais on n'avait pas vu cette couleur qui change. Oui. Oui, c'est une bête rayette. Cacette. Ça, ça peut être très sympa pour les messages de bonne année, d'anniversaire et tout ça. La savante monstre. Le monstre, oui. Allez, on fait autre chose. Vas-y, montre-moi. Maman.
Je sais pas quoi, mstre chéri. Non. C'est quoi? Maman, monstre chèvre. Monstre chèvre, oui. Super, merci. C'est gentil. Je te redresse ça. Ma maman? Oui. C'est la parent fraille. Ce sont les parents de Fran Fay? Non, Fray. De Fran. De Fray? C'est qui Fray? Dans. Comment ça s'appelle? Futurama? Non. Là, ça Fran Boy. Fran Bo. Ouais. Ah, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Fran Bo. Tu vas encore faire des cauchemars. Et moi, mais pas peur. Carnaval 2019. Quoi, maman? T'as même pas vu ce que j'ai fait. Quoi? Je t'ai fait. Je t'ai dessiné très grossièrement avec les feutres et j'ai écrit en dessous Carnaval 2019 parce que c'est la période du Mardi Gras et du Carnaval. Oui. Flat. Quoi, maman? Et bientôt j'écrirai Joyeux anniversaire. Clac! Clac! La clic! Clic! Clic-clac! C'est. Là, ça calcule! Tu veux faire du calcul? Alors, ouais. Tout de suite? Oui. Et moi, je voulais ranger les stylos là, tu vois. C'est pas mal en fait, parce qu'on peut ranger les stylos derrière. En fait, il manque juste une pochette pour ranger les fiches. Calcul? Ouais. Ouais, on y va. Vas-y. Et Yad, tu fais quoi? Quatre plus neuf égale 13. 13. Il faudrait des crayons un peu plus... Biscotte. Un peu plus biscotte. Non, un peu plus fin. T'aurais pas un peu triché? Plus 9 égale 13. Je crois que t'as... Le résultat est marqué sur ta montre. Il y a une triquette. C'est ça. On va essayer plutôt avec les sunblocks. Hein. Plus 2. 8 plus 2, c'est le suivant. Alors, comment tu peux faire avec les sunblocks pour faire 8 plus 2? Ça, je sais pas. Tu sais pas? Oui. Alors, tu prends le 8... Tu prends le 2. Là, regarde, il y a un 2. Tu les mets en plus. Tu sais, copain du plus. Oui. Et surtout, tu les superposes. Et après, tu essaies de regarder lequel est aussi grand que lui. 10. Le 10, tu penses? Ouais. Ah, où est le 10? Je crois qu'il est rangé par ici. Ah, le voilà, le 10. Regardons. Est-ce que ça fait pareil? C'est pareil? Bah oui. Oui, alors vas-y. 10, mais 8. 8 plus 2 égale 10. 10. Bien. 7. Plus 1. 7 plus 1. Alors, vas-y. Là. Là. Dans l'autre sens, chouchou. Non, à plat. Encore dans un autre sens. À plat. C'est comme ça qu'il se met le 1. 7. Donc, copains, ils se mettent l'un par-dessus l'autre. 7 plus 1. Alors, 7 plus 1, tu le mets par-dessus? Oui. Alors, 7 plus 1, ça fait grand comme quoi? Qu'est-ce que tu penses? Les 60... 30 et 20.
Ça fait beaucoup, ça. Regarde s'il y en a un des chiffres que tu as dans la boîte qui est aussi grand que 7 plus 1. Okay. Il faut que tu compares. Mais non, tu mets à côté. Oh, beaucoup trop petit le 3. 7 plus 1, c'est plus grand. Ne s'apprend. Le 9. Ah, trop grand. Le 10. Oh bah, si le 9 est trop grand, le 10 aussi est trop grand. Le 6. Trop petit. Alors, c'est entre 6 et 9. 6, c'est trop petit. 9, c'est trop grand. Ah, qu'est-ce qui te reste? Maman, voilà. 6 plus 2 et 7 plus 1, c'est pareil. C'est égal. Là, oui, mais c'est égal à quel chiffre? 7. C'est égal à quel chiffre? Le 6 plus 2 et le 7 plus 1. Lequel est aussi grand? Alors, on a dit que c'était pas 6, c'était pas 7, c'est pas 9. Essaye un autre. Lequel est de la même taille? Alors, qu'est-ce qu'il y a après? 6, 9. 6. Regarde, t'as essayé celui-ci, c'était pas bon. T'as essayé celui-ci, c'était pas bon. C'est pas le 7, forcément. Voilà, on les enlève. C'est pas le 7, c'est pas le 3, c'est pas le 6. Ah, là, ça prend 8. Le grand 8? Ouais. Ah si. Bravo. 7 plus 1, ça fait pareil que 8. C'est 8. 47. 47, bien sûr. Tu marques 8 là? Ouais. Mais ça fait pas 87. Tu as comparé. Ça fait 8. C'est pareil. Je pourrais aussi le mettre dans l'autre sens. Ça n'a pas d'importance. Donc, hop. 8. Voilà. Bon alors, Elliot. Elliot. Quoi, maman? Qu'est-ce que tu en penses de ce jeu? Bien. Bien? Pourquoi c'est bien? Là, ça l'a bien beaucoup. L'a bien beaucoup. C'est vrai, moi je trouve qu'il y a de matière à s'amuser et surtout à apprendre. Mmh. Donc tu le recommandes? Quoi? Ça veut dire quoi recommander? Commenter? Est-ce que tu dirais aux copains de jouer à ce jeu-là? C'est celui-là? Oui, est-ce que tu dirais? Tu dirais que c'est bien et qu'il faut qu'ils jouent ou pas? Les amis jouent. Ouais. Give me five. Bon. Like. Ouais. Like. Là, ça pousse plus. Abonnez-vous. Laisse mettre. Cloche. La cloche, le commentaire, la totale. Oui. Le clic. Salut. Salut.